Jodi a nou mal surtout pale de co-étudiant, ki tout moun konen, ki son programme ke te gen pil étudiant ki tap mande kote programme nan. Yo te wè anè nè nye, yo te recevwa 9 paiement de 2000 gout, jè yo te pou mèt yon an. Yè mè anè sal pot ko komanse. Donk mou bal fon ti etat de lye, mou bal eksplike nou ki kote nou rive. Et ensuite, pour nous finir, ma fonti survol tout de état des lieux, de état d'avancement du programme EDPEP en général. Et nous allons expliquer ça à EDPEP, moi que journée aujourd'hui, à tout pays d'Haïti, tout Haïtien, même à travers le monde, déjà contre qui ça des peuples là. Et donc, pour commencer, moi je dis, nous avons parlé de courrier étudiant. Nous avons annoncé officiellement, d'ailleurs, il y a une note de presse qui sortit depuis hier, que le programme n'a pas de campé. Il était juste après finalisation de filtrage de programme. Non? Et bien, nous avons annoncé que début semaine, ça depuis lundi, paiement a recommencé. Premier paiement pour l'année fiscale 2013-2014, à travers tout le territoire, il a commencé. Et si nous voulons des chiffres plus exacts, nous avons déjà pour une nouvelle année un peu plus de 20 000 étudiants qui sont inscrits déjà, à peu près 20 500 qui sont déjà inscrits. Et à l'intérieur de 20 500, ça a gagné à peu près 16 000, presque 17 000, qui déjà reçoivent le premier paiement. Reste paiement, on va continuer à faire pendant ce maintenant jusqu'à la fin du mois de février, pour que nous, ça boucle le premier paiement. Nous connaissons que son programme qui va couvrir 9 paiements de 2 000 gouttes. Le 17 décembre 2012, nous tout songé que le président Martelly a lancé le programme, ça. Il a fait promesse ça à tout étudiant qui fait partie du programme, non? Qui inscrit son base volontaire, qui ont touché 2 000 gouttes pendant 9 mois, qui sont subventions pour faciliter l'éducation et pour couvrir certains coûts qui annexent à l'éducation, comme le transport, les photocopies et des petits coûts comme ça. Donc, j'aime d'abord dire, officiellement, le programme a relancé, pour remettre le paiement relancé, et n'a pas demandé que un pile d'étudiants qui peuvent qu'on finisse inscrit, puisque nous avons nos chiffres là de à peu près 20 500. Et année ça, nous avons un objectif pour atteindre de 30 000 étudiants par rapport à l'année dernière, son progression, puisque l'année dernière, nous avons atteint seulement 27 000 étudiants. Donc, avec progression, ça, étudiants qui sont inscrits, nous avons tous les étudiants, à la fin de la formulaire, à parler avec des canards, il y a des canards qui ont même tout pour voir une liste approuvée et validée à programme pour nous appeler étudiants. Et nous avons date limite de fin mars, à la fin du mois de mars, un étudiant qui n'est pas inscrit, et bien pas dans le programme. Nous connaissons que son programme, côté que étudiant, faut qu'il entre son base volontaire. Nous parlons tout à l'heure, malheureusement, nous parlons de projecteur à Jodian, nous devinons avec des graphes, même pas nos chiffres que nous avons là, pour montrer nous que dans certaines facultés, ce n'est pas 100% de étudiants qui sont inscrits. Effectivement, un étudiant qui a travaillé, qui a un petit job sous côté, ou encore que la situation n'est pas plus mal, mais il a choisi pas inscrit pour qu'il quitte place là pour l'autre camarade lui-même qui a plus besoin que lui, puisque nous connaissons que son nombre limité de monde gagne. Et l'université en Haïti, il y a plus de 60 000 étudiants, plus même, le chiffre exact que nous n'avons pas gagné. Mais nous avons seulement 30 000 étudiants que nous allons prendre. Donc c'est pour dire qu'un étudiant qui n'a pas besoin de programme, il faut qu'il aille place là pour l'autre. Donc, nous connaissons que pour l'année 2012-2013, le programme a couvert 25 institutions publiques. Donc, on est que y a un critère, il faut que ce soit une institution d'État ou une institution publique régionale. 25 institutions, ça, on nous a listé rapidement. C'est Campus Limonade ou à Christophe, École Normale Supérieure, Faculté d'Ethnologie, Faculté Odontologie, Faculté Agronomie et Médecine Vétérinaire, Linguistique, Médecine et Pharmacie, Faculté des Sciences, Faculté des Sciences Humaines, Institut d'études et de recherche africaine, Institut national d'administration, de gestion et hautes études internationales, INAGE, École nationale supérieure de technologie, Faculté de droit et des sciences économiques de Fort-Liberté, Gonaïves, Hinche, Jacmel, Port-au-Prince, Port-de-Paix, CAI, au Cap, Université publique du Sud, Université publique du Nord, Université publique de l'Antibonite, Jacmel et Limbé. C'est des 25 institutions SAO qui ont fait partie du programme l'année dernière, qui ont bail 27 000 étudiants. À Nessa, nous venons ajouter 8 nouvelles institutions. 8 nouvelles institutions, ça a puis venons prendre 3 000 personnes en plus, ça que nous avons parlé, puisque nous connaissons une augmentation de 27 275 à 30 000 étudiants à Nessa. 7 nouvelles institutions, ça c'est Université publique du Centre, École nationale des arts, École nationale de géologie appliquée,
École nationale des infirmières de Port-au-Prince, des CAI, du Cap-Haïtien et de Jérémie. Hier soir, dans le conseil de gouvernement, sous demande du coordonnateur plan spécial Jérémie, hein, le premier ministre a validé à jour une université, une faculté de Jérémie qui peut faire partie du programme hein, et qui part dans UEH. Donc ça, c'est chiffre. J'aime ça dire, malheureusement, nous n'avons pas un rétroprojecteur pour me démontrer nos graphes. Je viens avec graphio qui montre nous une répartition géographique de chaque département de qui j'ai étudié au TIE. Mais ce qui est important, que j'aime dire tout à l'heure, que je devais souligner, c'est que je vais prendre des exemples. Par exemple, école de droit de Afon Liberté, il y a 750 étudiants, et mais c'est 739 qui étaient inscrits l'année dernière. École de droit de Hench, il y a 480, c'est 418 qui étaient inscrits. Donc nous avons un pourcentage de 87%. Il y a à peu près 60 élèves qui n'ont pas d'inscrits. Et j'aime dire nous sommes base volontaire. Élèves qui ont choisi, pas inscrit parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils quittent place pour l'autre qui n'a plus besoin. C'est ça qui esprit tout programme d'assistance sociale que l'administration a fait. C'est que, pas gain pile comme pour faire, mais il faut que toujours choisir ça qui n'a plus besoin. Donc, le programme, ça a essence, son solidarité, son meilleure répartition de la richesse. Un monde qui est supposé penser que le cas joue un programme, non. Les labs gardent sous côté le monde qui plus besoin, mais il faut le faire sacrifier ça pour le pas prendre et pour le bailler l'autre aller. Donc, nous disons que le paiement a commencé. Nous disons que nous avons 7 nouvelles institutions. L'année, ça va arriver à 30 000 étudiants. Comme perspective d'où, année ça, nous allons venir avec un nouveau mode de paiement. Une innovation qui fait, nous avons c'est des programmes qui sont jeunes. Ce programme, ça a gagné un an, la partie de deuxième année. Eh bien, à chaque fois, il faut toujours réfléchir, qu'il y a pour améliorer, qu'il y a pour corriger les faiblesses. Année, ça a deux innovations. Première innovation, c'est que méthode de paiement va être différente. Étudiant, à partir du deuxième paiement, donc paiement en mois de février, il va recevoir une carte de débit, côté que l'APCA, la procédure comme là directement sous carte, là, sans pas besoin de déplacer, et l'APCA a tiré comme là sous lit, donc soit dans ATM, soit dans n'importe quel qui commerçant, ou soit dans n'importe quel qui succursale de banque. Première innovation, donc étudiant pas besoin de faire lien encore dans des agents de paiement. Et deuxième innovation, à partir du deuxième paiement, tout, il va proposer étudiants qui veulent, toujours sur base volontaire, pour les gouvernements au crédit pour un laptop. Donc, au lieu que vous recevez cash là en entier, il a subventionné nos crédits, côté que l'APCA achète un laptop qui est subventionné à 50%, donc à très bon prix, 50% de la valeur nominale, et il a déduit automatiquement de ces subventions là. L'APCA est un petit cop dans le quand même, mais il a pris partie dans le cop là pour payer le laptop là, pour tout le monde qui voulait. À partir du deuxième paiement qui va le faire en février, j'aime dire non, même si le programme de Noël commence en février, là, c'est le ça nous recevoir premier paiement, mais tout étudiant a touché quand même 9 versements. Yo. Ça veut dire que vous allez toucher de janvier à septembre. Et l'année dernière, le premier versement a été fait en janvier, donc l'année, ça nous gagne un mois en plus. Mais de toute façon, la privée a 9 paiements équivalent à 18 000 gouttes par étudiant qui est inscrit. Bien entendu, moyennant que l'étudiant réponde à critères qu'il définit, qui c'est d'abord, il faut qu'il est présent dans la faculté. Ya. Ça veut dire que c'est pas un étudiant qui parle là, il faut que ce soit un étudiant qui est actif et qui fait moyenne. Donc, nous parlons de deux perspectives. Donc, encore une fois, on a dit étudiants, nous remercions de patience, puisque c'est des paiements que nous devons recevoir depuis de janvier. Pour samedi janvier, pas octobre, nous connaissons que toute faculté a commencé en général en novembre. Donc, normalement, il faut être recevoir mois novembre, non, fin décembre, début janvier. Donc, nous prenons un mois autant ça pour finaliser l'innovation. Et surtout, filtrage de liste là, que nous connaissons que nous obligés bien assurer que étudiants, pas que ça ait les zombies. J'en ne comprends pas le lit que un étudiant qui est dans le programme, qui est vraiment actif, et c'est vraiment un étudiant qui est inscrit et qui est validé par le canal. Quand nous parlons de tissu, j'en ai dit rapidement sur les résultats aider peuples en général. Donc, on est cours étudiants, c'est un sous-programme de aider peuples. Aider peuples, c'est le programme national d'assistance sociale que l'administration va mettre sur pied, justement pour lutter contre la pauvreté et pour faire une meilleure répartition de la richesse. Et des cours étudiants, c'est une là-dedans, mais nous connaissons un pilote, nous connaissons un petit maman chérie, nous connaissons un cours paysan, nous connaissons un panier solidarité, cantine mobile, etc. Eh bien, tout programme, au 31 janvier, moi, quand je dis que le programme a avancé très bien, on a 107 338 mamans, étudiants, moi, je dis que nous arrivons à 30 000, mais nous avons à peu près 21 000 gounéens. Cours et handicapés, nous sommes toujours à 1785. Donc, tous les résultats, je vais vous donner le résultat au 31 janvier 2014.
de jour 1 au 31 janvier, donc les résultats cumulés. Comme bon Dieu, Jean, c'est bon Dieu, solidarité, nous distribuer en tout déjà 272 540 bon Dieu, Jean. Cantine mobile, nous déjà arrivé à 1 375 270 plats. Panier solidarité, 1 102 000 plats. Corée paysan, 75 150 kits de semences ou de pêche. Crédit pour Femme Lacaille est toujours à 275. C'est un programme que nous prenons pour accélérer. Et un nouveau programme que nous allons annoncer très prochainement pour supporter au niveau du microcrédit, petits business dans les zones métropolitaines. Donc, ça c'est le résultat en gros de l'EDP. Il y a un résultat que l'EDP atteint et que le gouvernement est très fier de lui. C'est que nous connaissons qu'après tout cyclone, et spécialement sécheresse qui a été faite, il y a 44 communes qui sont sorties sur une liste d'insécurité alimentaire aiguë par la CNSA et par certaines agences gouvernementales. Eh bien, en raison d'une conséquence du programme des peuples, c'est que le nombre de communes, 44 communes en situation de détresse, a sorti de 44 à 13. Donc, CNSA sort son nouveau rapport en 2013, côté que le nombre de communes a diminué à 13 communes. Et quand ça est disponible, malheureusement, nous n'avons pas de projecteur, même qu'à montrer nos lieux, si nous-mêmes avons un peu de monde qui a fait. Ça, c'est quand on vend, nous avons un paquet de communes en rouge. Et maintenant, la prochaine carte que sortir, il y a beaucoup moins en rouge et surtout en orange. Et c'est un effet du programme ça, qui a 4 vecteurs là-dedans qui visaient à lutter contre l'insécurité alimentaire. Et 4 programmes ça, nous connaissons, c'est les programmes de transfert de cash et les programmes de transfert de manger ou de semences ou de pêche.